voudrais vous saluer tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et j'ai la question que tous les frères parlent le français. Peut-être c'est suffisant pour moi. J'ai la parole de Dieu avec vous en anglais et le frère faire la traduction en français. C'est bien, c'est bon avec vous? Oui. Cet matin? Oui. Merci. We heard a wonderful speech of our beloved brother. Nous avons entendu des paroles merveilleuses de nos frères, de nos bien-aimés frères et sœurs. Frères. I thought it's enough. We could go home. Et je pensais que c'est déjà suffisant, nous pouvons retourner à la maison. If we listen to every word of God carefully, si nous écoutons attentivement chaque parole de Dieu, there's something very precious at every sentence, at every verse. Et il y a quelque chose de très précieux dans chaque phrase et dans chaque verset. It's a privilege for me to be here today. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. And I would love to recognize all the brothers from different cities and different countries. Et je voudrais reconnaître, exprimer ma reconnaissance pour tous les frères de tous les pays et de toutes les villes. And I would love for those who are from different countries to just now stand. Et je voudrais que ceux qui viennent d'autres pays puissent se lever. Do we have brothers? Est-ce qu'il y a des frères venant d'autres pays? Yes. Yes. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you in a special way. Que Dieu vous bénisse d'une manière particulière. Sure. God bless you. Amen. Que Dieu vous bénisse. All our friends. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It's wonderful to be one in Christ. C'est merveilleux d'être un en Christ. And we have a number of questions. Nous avons reçu un certain nombre de questions. But I'm not sure if these questions are in the general interest. Et je ne pense pas que ces questions ont un intérêt général. We shall go into them, but very briefly. Mais nous allons parcourir ces questions, mais d'une manière brève. There are things we have to say which are very important. Il y a des choses que nous devons dire qui sont très importantes. I'd like to read two more verses. J'aimerais lire encore deux versets. We're reading 2 Timothy chapter 2. Nous avons lu 2 Timothée chapitre 2, verse 1 and 2, au verset 1 et 2. I also like to read verse 15. Et j'aimerais aussi lire le verset 15. Yes. Mm-hmm. Efforce-toi de te présenter devant Dieu mm-hmm. comme un homme éprouvé, mm-hmm. un ouvrier qui n'a point à rougir, mm-hmm. qui dispense droitement la parole de la vérité. Yes. And also from 2 Timothy chapter 4. Et dans 2 Timothée chapitre 4, verse 2, au verset 2. Yes. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. This scripture has a very, very special meaning to me. Cette écriture a une importance très, très spéciale pour moi. There are some experiences we had with God. Il y a deux expériences que nous faisons avec Dieu which do have a very special meaning. Qui ont une importance très spéciale. I look back to 1948. Je regarde jusqu'à en arrière à 1948. When I dedicated my life to the Lord. Quand j'avais consacré ma vie au Seigneur. Receiving Christ as my personal savior. Et que j'avais reçu Christ comme mon sauveur personnel. I look back to 1949. Et je regarde en arrière à 1949. When I received the baptism of the Holy Spirit. Où j'avais reçu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. I look back to 1955. Et je regarde en arrière en 1955. When Brother Branham came to Germany. Quand Frère Branham était venu en Allemagne. And I spent a whole week in his meeting. Et que j'avais passé toute une semaine dans ses réunions. Being an eye and ear witness étant, of what God did in our time. Étant un témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. I can say like the Apostle Peter. Je peux dire comme l'apôtre Pierre. And like the Apostle John. Et comme l'apôtre Jean. What my eyes have seen. Ce que mes yeux ont vu. And my ears have heard. Et ce que mes oreilles ont entendu. From the word of life. De la parole de la vie.
And the Apostle Peter could say, et l'apôtre Pierre pouvait dire in 2 Peter chapter 1, dans 2 Pierre au chapitre 1, we were with him on the holy mountain. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. We heard the voice, nous avons entendu la voix that spoke to him, qui lui avait parlé. Thou art my beloved son, tu es mon fils bien-aimé, in whom I'm well pleased, en qui j'ai mis toute mon affection. Hear ye him. Écoutez-le. Then became the year 1958. Et vint l'année 1958. When I was visiting Brother Branham. Quand j'avais visité Frère Branham. And also participating in the great meeting in Dallas, Texas. Et que j'avais pris part aux grandes réunions à Dallas, au Texas. Where all the great evangelists were gathered. Où il y avait tous ces grands évangélistes rassemblés. All the great evangelists. Il y avait tous les grands évangélistes. And Brother Branham was the main speaker in the evening services. Frère Branham était l'orateur principal dans les réunions du soir. And I noticed one day, second day, third day, et j'avais remarqué le premier, le deuxième et le troisième jour. All the others were preaching in the morning services, in the afternoon services. Et les autres prêchaient le matin et l'après-midi, les réunions du matin et l'après-midi. And they could preach. Oh, they could preach. Ils pouvaient prier du mieux qu'ils pouvaient. Sometimes the platform was too small. Et parfois la plateforme n'était pas assez large. They would just take the mic into their hand. Et ils prenaient le micro. And move here and there. Et ils bougeaient. But I watched Brother Branham's ministry. Mais j'observais le ministère de Frère Branham. I knew him since 1955. Je le connaissais depuis 1955. But now in 1958. Mais nous étions en 1958. I observed all the others who preached. Et j'observais tous les autres qui prêchaient. And then Brother Branham in the evening services. Et Frère Branham dans les réunions du soir. And after 3 days. Et après 3 jours. I went to Brother Branham. Je suis allé vers Frère Branham. I said I wish to know the difference between you and the brothers you mentioned their ministry. Et je lui ai dit je voudrais connaître la différence entre ton ministère et le ministère des autres frères. Actually, I said I see the difference between your ministry and the other brothers. En fait, je lui ai dit je vois la différence entre ton ministère et leur ministère. And then Brother Branham explained and explained. Et Frère Branham m'a donné l'explication. And the final words were these. Et les dernières paroles furent celles-ci. It is the message. C'est le message. That the Lord gave me. Que le Seigneur m'a donné. Which makes the difference. Qui fait la différence. And then he said. Et il ajouta. Brother Frank, you will return with this message to Germany. Frère Frank, tu vas retourner avec ce message en Allemagne. In October last year, en octobre l'année dernière, 2 of our brothers were in Jeffersonville. 2 de nos frères sont partis à Jeffersonville. Speaking with Brother Sotman, et ils ont parlé avec Frère Sotman. And he confirmed my talk with Brother Branham. Et il a confirmé la conversation que j'avais eue avec Frère Branham. With Brother Thomas and with Brother Daniel. Avec c'était le frère Thomas et le frère Daniel. They did not ask him, but he told them. Ils lui ont pas posé la question, mais c'est lui qui leur a dit ça. And then also he confirmed my conversation with Brother Branham. Et il a aussi confirmé ma conversation avec Frère Branham. From December 3, 1962. They did not ask him. Ils ne lui ont pas posé la question. But he told them by himself. Mais lui-même leur a dit cela. But when it comes to some of the special experiences, mais quand il en arrive à certaines expériences, like April the 2nd, 1962, comme le 2 avril 1962, or even in 1976, et même en 1976, when the Lord said, "Cancel your trip to India," quand le Seigneur m'a dit, annule ton voyage vers l'Inde, and on the same flight that I was booked, et dans le même vol où j'avais pris ma réservation, from Bombay to Madras, de Bombay jusqu'à Madras, the aircraft took fire and all 96 passengers died. L'avion s'est détruit, a pris feu et les 96 passagers sont morts. My name was on the passengers list. Et mon nom figurait parmi la liste des passagers. But the Lord, in His grace, just let me know. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a fait connaître.
après savoir que je devais annuler ce voyage-là. Ainsi, il y a un certain nombre d'expériences que le Seigneur, par sa grâce, m'a accordées. Et l'une de ces expériences était à Marseille. Pour la première fois, les frères sont venus vers moi et m'ont posé une question sur les sept tonnerres. Je ne savais rien des sept tonnerres. And I don't know even today. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'en sais rien. But I was very sad. Mais j'étais très triste. That I could not answer this question. Que je n'avais pas pu, je ne pouvais pas répondre à cette question. Because up to that day, every question I could answer from the Bible. Parce que jusqu'à ce jour-là, toutes les questions, je pouvais donner une réponse de la Bible. But this question, I could not answer. Mais à cette question, je ne pouvais pas répondre. I was so sad. J'étais tellement triste. I just said, bonne nuit, frère. Et j'ai dit, bonne nuit, mes frères. And I went to my room. Et je suis monté dans ma chambre d'hôtel. And I still have the same watch today. Et j'ai toujours la même montre aujourd'hui. It just goes all the time. Et cette montre fonctionne d'elle-même. No battery, it just goes. Il n'y a pas de pile et elle fonctionne d'elle-même. And it was 5 to 5 in the morning. Et c'était 5h moins 5 du matin. When that experience was over. Quand l'expérience a eu lieu, après l'expérience. The Lord called me with a tremendous voice. Et le Seigneur m'a appelé avec une voix d'autorité. My servant, rise and read 2 Timothy chapter 4. Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. You know, I had to get up quickly. Et vous savez, je devais vite me lever. I opened my Bible. J'ai ouvert ma Bible. I read from verse 1 to 5. Et j'ai lu du verset 1 au verset 5. And then I started again with verse 1. Et je repris encore à partir du verset 1. After reading verse 2 and 3. Après avoir lu le verset 2 et 3. I put my Bible down. Et j'ai posé ma Bible. Because there the scripture says, parce que là, l'Écriture dit, preach the word, it be in time or out of time. Prêche la parole, insiste en toute occasion, preach favorable the ou non. Word, preach the prêche word. La parole, prêche la parole. For the time will come, car le temps viendra when they will not endure sound doctrine. Où les hommes ne supporteront pas. Pas la sainte doctrine. But they will just heap to themselves having itching ears listening to every fable. Parce que ils vont avoir des oreilles qui démangent et ils vont écouter des fables. We don't believe any fable, we believe the word of God. Nous ne croyons à aucune fable, mais nous croyons la parole de Dieu. Amen. So at that moment, ainsi depuis ce moment-là, I placed my Bible on the small table. J'avais mis ma Bible sur la table. And my hands went up in the air like. Et je levais mes mains de cette manière. I said, dear Lord, as certain as you spoke to me. Et j'ai dit, cher Seigneur, aussi vrai que tu m'as parlé. Commanding me to rise and read 2 Timothy chapter 4. Me recommandant de me lever et lire 2 Timothée chapitre 4. What the seven thunders uttered is not written in the word of God. Ce qu'on dit les sept tonnerres ne sont pas écrits dans la parole de Dieu. And therefore no one will ever preach what the seven thunders say. C'est ainsi nul ne devrait prêcher ce qu'on dit les sept tonnerres. They will preach what they say. Ils vont prêcher ce que eux disent. But not what the Bible says. Et non ce que la Bible dit. And therefore, you have a number of directions. Et c'est ainsi qu'on a un certain nombre de directions. And they call it seven thunders. Et ces directions sont appelées les sept tonnerres. It is not true. Ça, ce n'est pas vrai. There is no thunder doctrine in the Bible. Il n'existe aucune doctrine des tonnerres dans la Bible. But people misunderstand. Les gens ont mal compris. I met Brother Branham. J'ai rencontré Frère Branham. Just before the opening of the seven seals. Juste avant l'ouverture des sept sceaux. I was in his home. J'étais dans sa maison. I saw what happened. J'avais vu ce qui était arrivé. Because he had a vision. Parce qu'il avait reçu une vision. When his street will be widened, quand sa rue sera élargie, and the machines will move up and down the road, et que les tracteurs, les machines vont passer, descendre et monter sur sa route, and the fence of his yard is placed on the lawn, et que la clôture de son jardin sera mise de côté, that
would be the time, ça sera le moment, according to the vision, selon la vision, that he would move from Jeffersonville to Tucson. Le moment de déménager de Jeffersonville vers Tucson. I, brother Frank, moi, frère Frank, in December 1962, en décembre 1962, I saw the machines moving up and down the Ewing Lane. Et j'ai vu les machines descendre et monter de Ewing, l'avenue Ewing. I saw the fence laying on the lawn. Et j'ai vu les clôtures mises de côté. Like Brother Branham saw in the vision. Comme frère Branham l'avait vu dans la vision. And then Brother Branham told me. Et frère Branham m'a dit. That this vision is now being fulfilled. Que cette vision est maintenant en train de s'accomplir. And he's going to move in January 1963. Et ainsi il allait déménager en janvier 63. According to the vision. Selon la vision. To Tucson, Arizona. Pour aller vers Tucson en Arizona. Then he asked me to preach. For him, et il m'a demandé de prêcher à sa place for the full gospel businessman in Los Angeles, pour la convention des hommes d'affaires de full gospel, and that meeting was arranged by Dima Shakarian. Et cette réunion était arrangée par Dima Shakarian. I had never been to Los Angeles. Je n'avais jamais été à Los Angeles auparavant. I never heard about Dima Shakarian. Je n'avais jamais entendu parler de Dima Shakarian. I never heard about the full gospel businessman. Je n'avais jamais entendu parler des hommes d'affaires de plein évangile. But Brother Branham asked me. Mais frère Branham m'a demandé to go and to preach in his stead. D'aller et de prêcher à sa place. So this is exactly what I did. Et c'est ce que j'avais fait. So I knew Brother Branham personally. Ainsi, je connaissais frère Branham personnellement. But I know the God of William Branham. Mais je connais le Dieu de William Branham. I know the one who called him. Et je connais celui qui l'avait appelé. Who gave him the divine commission. Et qui lui avait donné le mandat divin. And my beloved brothers, especially your ministers. Et mes bien-aimés frères, particulièrement vous les frères dans le ministère. It is so important to know the Lord. C'est très important de connaître le Seigneur. It's so important to know the word of God by divine revelation. C'est important de connaître la parole de Dieu par la révélation divine. And to be honest with you. Et pour être honnête envers vous, only last night, c'est seulement la nuit dernière. Only last night, ce n'est que la nuit dernière. For the first time in my life, pour la première fois dans ma vie, I saw in Matthew 24, j'ai lu dans Matthieu chapitre 24, what is written in verse 44. Ce qui est écrit au verset 44. I usually went to all the other places. D'habitude, je vais dans d'autres endroits, je lis d'autres choses. And I know, according to the commission, verse 45 to 47. Et je connais, je sais ce qu'il en est à cause de la commission du vers 45 à 47. But only yesterday. Et ce n'est que hier. When this verse was read. Pendant qu'on lisait ce verset. I came to know. J'ai pu savoir. And we shall read this verse. Et nous allons lire ce verset. And also the other two verses. Et les deux autres versets. Or right to verse 47. Et jusqu'au verset 47. To know the scripture connection to be ready for the coming of the Lord. Pour connaître l'écriture qui est en rapport afin d'être prêt lors du retour du Seigneur. Let us read Matthew 24. Nous allons lire Matthieu chapitre 24. Verse 45. Yes. Au verset 44 et 45. Yes, yes. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. That ye should be ready. Afin que vous soyez prêts. This is what the message of the hour must do. C'est ce que le message de l'heure doit accomplir. A people prepared for the Lord. Un peuple bien disposé pour le Seigneur. A people ready to meet the Lord when he comes. Un peuple qui est prêt à rencontrer le Seigneur lors de son retour. And then follows verse 45. Et suit le verset 45. Yes. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, yes, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Yes, we understand by the grace of God. Ainsi, nous comprenons par la grâce de Dieu. Whatever God revealed to the apostles.
ce que Dieu a révélé aux apôtres, whatever he revealed to the apostle Paul, ce qu'il a révélé à l'apôtre Paul, and he shared with all the other ministries, il a partagé ça avec les autres ministres, like with Timothy and with Titus and with the rest, et comme avec Timothée, avec Tite et les autres. So it is today. C'est ainsi aujourd'hui. Brother Branham shared the word of God with us. Frère Branham a partagé avec nous la parole de Dieu. I share the word of God with you. Et moi je partage la parole avec vous. And all the brothers share the word of God with you. Et les autres frères partagent avec vous la parole de In Dieu. In the same Holy Spirit. Avec le même Saint-Esprit. The same revelation. La même révélation. The same teaching. Les mêmes enseignements. And therefore we understand this scripture in its context. Ainsi nous comprenons les écritures dans leur contexte. Now coming to the questions, beloved brothers. Et maintenant nous allons parler des questions. I want you to understand this. Je voudrais que vous compreniez ceci. I must not have anything to do with local churches. Je ne dois pas avoir quelque chose avec les églises locales. I just come to your city. Je ne fais que venir dans votre ville. And I go to the next city. Et je poursuis dans la ville suivante. And from the very, very beginning. Et depuis le commencement même. I never stay more than 2 days in one city. Je ne suis jamais resté plus de 2 jours dans une seule ville. Never more than 2-3 meetings in the same city. Jamais plus de trois villes, trois prédications dans une même ville. Because I was commissioned to go from city to city. Parce que il m'a été dit d'aller de ville en ville. And the more cities I can visit, the better it is. Et plus de villes que je peux visiter, le mieux c'est. So many of these questions pertain to local assemblies. Et plusieurs de ces questions sont relatives aux assemblées locales. But God placed you for this purpose. Mais Dieu vous a établi pour cet objectif. Not me. Et non moi. I come to visit you. Je viens pour vous visiter. To support you. Pour vous soutenir. To show that I'm your brother. Pour vous montrer que je suis votre frère. But I'm just your brother. Mais je ne suis que votre frère. I'm not your Lord. I'm not over you. I'm with you. Je ne suis pas votre Seigneur. Je ne suis pas sur vous. Mais je suis avec vous. We're all on the same level. Nous sommes tous au même niveau. There's only one head, and that is Jesus Christ. Et il n'y a qu'une seule tête, et elle est c'est Jésus Christ. There are some brothers who give much glory to Brother Branham. Il y a des frères qui donnent trop de gloire à Frère Branham. And that is totally wrong. Ça c'est totalement faux. Brother Branham was just a vessel. Frère Branham n'était qu'un vase. Just someone to show the way. Un homme qui devait montrer le chemin. Like if you are traveling on a highway. Comme quand vous êtes sur l'autoroute. You see the sign showing you the way. Vous voyez les pancartes qui vous montrent le chemin. You don't stop at the sign. Vous ne vous arrêtez pas à ces pancartes. You continue driving. Vous continuez à conduire. Because it shows you the direction. Parce que les pancartes vous montrent la direction. So that you would reach the goal. Afin d'atteindre l'objectif, le but. In the same way. De la même manière. My beloved brothers. Mes bien-aimés frères. Let us give God all the glory. Donnons toute la gloire à Dieu. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. This is my absolute conviction. Ça c'est ma conviction absolue. We give all the glory to God in Jesus' holy name. Que toute la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. So even Brother Branham, et même Frère Branham, did not establish a single local church. N'a pas établi une seule église locale. He had a home church in Jeffersonville. Il avait son église à Jeffersonville. And he even made the statement. Et il a même fait la déclaration suivante. That all the messages that he would preach. Que toutes les tous les messages qu'il va prêcher, which I directed to the Church of the Living God, qui est adressé à l'Église du Dieu vivant, he will preach in Jeffersonville, il va les prêcher à Jeffersonville, in all the other cities, et dans les autres villes. He could not go into the deep things of the Word of God, il ne pouvait pas aller dans les détails, dans la profondeur des choses de Dieu, because there were different teachings in the different churches, parce qu'il y avait des enseignements différents dans différentes églises, but in his home church.
church. Mais dans sa, son église natale à la maison. Main sermons were preached. Toutes les prédications principales ont été apportées on là. The seven church ages. Tous les sept âges de l'église. And even before the opening of the seven seals. Et même avant l'ouverture des sept sceaux. And this is important for your brothers to know. Et c'est très important, mes frères, que vous sachiez ceci. As Brother Branham was shown in the vision. Comme il avait été montré à Frère Branham dans la vision. That he would be in Arizona on Sunset Mountain. Que il devait se trouver en Arizona sur la montagne Sunset. When he saw the seven angels come down in the supernatural cloud. Quand il a vu les sept anges descendre dans une nuée surnaturelle. It was not the coming of the Lord. Cela n'était pas la venue du Seigneur. Even Brother Branham says. Et même Frère Branham a dit. When he took the picture of the cloud. Quand il montrait la photo de la nuée. Here we see, you see Jesus as judge. Ici vous voyez Jésus en tant que juge. Having the white robe around his head. Ayant comme une perruque blanche autour de sa tête. Not a son of man. Ce n'était pas en tant que fils de l'homme. Not as bridegroom. Et non en tant qu'époux. You see him as judge. Vous le voyez en tant que juge. Since the opening of the seals. Depuis l'ouverture des sceaux. Judgment begins at the house of God. Le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Things must be put right. Les choses doivent être mises en ordre correct. There must not remain a single error in the church of Jesus Christ. Il ne doit pas demeurer une seule erreur dans l'église du Dieu vivant. Jesus Christ is the judge. Jésus-Christ est le juge. He is the savior. Il est le sauveur. He is all in all. Il est tout en tous. He is son of God. Il est fils de Dieu. Son of man. Fils de l'homme. Son of David. Fils de David. Son of Abraham. Et fils d'Abraham. He's mediator. Il est le médiateur. He's advocate. Il est l'avocat. He's the first and the last. Il est le premier et le He's dernier. God revealed in the flesh. Il est Dieu manifesté dans la chair. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dieu avec nous. But many things he has to take care of. Mais les choses dont il devait prendre soin. So we understand from the word of God. Ainsi nous comprenons cela de la parole de Dieu. That even everything God does. Et même tout ce que Dieu fait. We must understand right. Nous devons bien les comprendre. We must place right. Nous devons bien le placer. Sometimes Brother Branham speaks about the ministry of the two prophets. Parfois Frère Branham a parlé du ministère des deux prophètes. And he speaks about 3.5 years. Il a parlé de 3 ans et demi. And then especially in the sermon, the 70 weeks of Daniel. Et particulièrement dans la prédication des 70 semaines de Daniel. He speaks about the whole space of time between rapture and beginning of the millennium. Il a parlé du temps qu'il y a entre l'enlèvement et le commencement du millénium. And he has the whole church repeat. Et il a fait que toute l'église puisse répéter. About 350 people repeated. Il y avait à peu près 350 personnes qui ont répété. Because Brother Branham asked him to repeat. Parce que Frère Branham leur a demandé de répéter. And you can hear it on the tape. Et vous pouvez entendre cela de la bande cassette. 1 week. Equals 7 years. Une semaine égale à 7 années. All the 350 people in the tabernacle. Et tous les 350 personnes rassemblées dans le tabernacle. They repeat together with Brother Branham. Ils ont répété ensemble avec Frère Branham. 1 week equals 7 years. Une semaine égale 7 années. So we have to understand. Ainsi nous devons comprendre. What was before Brother Branham's spiritual eye? Qu'est-ce qui était devant les yeux spirituellement devant Frère Branham? When he spoke about 3.5 years. Quand il a parlé des 3 ans et demi. When he spoke about 7 years. Quand il a parlé de 7 années. You must be under the leading. Of the Holy Spirit. Vous devez être sous la conduite du Saint-Esprit. Not only to take a quote from here and a quote from there. Et non prendre seulement une citation d'ici et une autre là-bas. But to take every quote he made as a statement for the same subject. Et prendre toutes les citations qu'il a fait en tant que déclaration au sujet and sur le même sujet. Finally, you have a complete picture. Et finalement, vous aurez l'image complète. And you don't make a problem. Et vous n'en faites plus un problème. One of the questions here is. Une de des questions est celle-ci. Whether there should be only one local church in every city. Si il doit avoir une seule église locale dans une ville. In Bible days there was only one church. Dans les jours bibliques de la Bible, il n'y avait qu'une église locale. And the Holy Scripture says. Et les Saintes Écritures disent. In the book of Acts. Dans le livre des Actes. That they gathered from house to house. Qu'ils se rassemblaient dans des maisons. And they also gathered in the hall of Solomon. Et ils se sont aussi rassemblés
à la portique de Salomon. And they also gathered in the temple. Et ils se rassemblaient aussi dans le temple. But they were one heart and one soul. Mais ils étaient tous d'un seul cœur et une seule âme. One heart and one soul. Un seul cœur et une seule âme. Whether they still gathered in the temple, que ça soit dans le temple, or in the hall of Solomon, ou à la portique de Salomon, or in the different houses, ou dans des différentes maisons, no separation. Il n'y avait aucune séparation. One heart and one soul. Un seul cœur et une seule âme. One heart and one soul. Un seul cœur et une seule âme. Waiting for the return of Christ. Et ils attendaient tous le retour de Christ. Kinshasa is not only a city, it's like a province. Kinshasa n'est pas comme une ville, mais c'est comme une province. If there would be a few places where people gather, si il y a des endroits où les gens se rassemblent, that's not the problem. Ce n'est pas un problème. The problem is, le problème est celui-ci. When a brother comes with a certain revelation, quand un frère vient avec une certaine révélation, dividing the body of Christ, et il divise le corps de Christ, and bringing confusion, et il apporte la confusion, and starting his own church, et il commence sa propre église, that's the bad part of it. Ça, c'est la mauvaise chose. Not if you've got meetings in here and there. Et non, en tenant des réunions ici ou là-bas. That's not the problem. Ça, ce n'est pas le problème. And let me tell you this. Permettez-moi vous dire ceci. All these brothers who are here today. Que tous les frères que vous avez ici aujourd'hui. They're one in the word. Ils sont tous dans la parole. One in the spirit. Ils sont tous dans l'esprit. Even if there are different local churches. Et même s'il y a des églises locales différentes. But they're all one. Mais ils sont tous un. And the believers come together. Et les croyants se rassemblent. But as soon as one brother comes up, et aussitôt qu'un frère s'élève, and says, I have a special revelation, et il dit que j'ai une révélation spéciale, I will start my own group, je vais commencer mon propre groupe. That is not right. Ça, ce n'est pas correct. That is not biblical. Ça, ce n'est pas biblique. No. No. We must obey the word of God. Nous devons obéir à la parole de Dieu. And first, all ministers must be in the word of God. Premièrement, tous les ministres doivent être dans la parole de Dieu. And then the believers will be also in the word of God. Ainsi, les croyants seront aussi dans la parole de Dieu. But the sad situation is this. Et la situation triste est celle-ci. Some follow this brother. Il y en a qui suivent tel frère. Some follow this brother. Et d'autres tel frère. Some follow this brother. Et d'autres tel frère. But my question is, ma question est celle-ci. If you follow Christ, si vous suivez Christ, the Apostle Paul said, l'apôtre Paul a dit, follow me as I follow Christ. Suivez-moi comme moi je suis Christ. So these brothers follow Christ. Ainsi ces frères suivent Christ. They don't follow a brother from New York. Ils ne suivent pas un frère qui est à New York. Or a brother from Los Angeles. Ou un frère qui est à Los Angeles. Or a brother from Canada. Ou un frère qui est au Canada. Or a brother from Germany. Ou un frère qui est d'Allemagne. First, we must follow Christ. Premièrement, nous devons tous suivre Christ. And then people will follow Christ with us. Et ainsi le peuple va suivre Christ avec nous. So, beloved brethren, ainsi mes bien-aimés frères, the time has come. Le temps est arrivé. Even especially for all the believers. Et même en regard à tous les croyants. Not to support a brother who is not preaching the word of God. De ne plus soutenir un frère qui prêche des fausses doctrines. If you support a brother teaching seven thunders, si vous soutenez un frère qui enseigne les sept tonnerres, you are out of the will of God. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Because that brother is out of the will of God. Parce que ce frère-là est en dehors de la volonté de Dieu. I remember my visit years ago to Johannesburg. Je me rappelle encore de ma visite il y a plusieurs années à Johannesburg. When a brother who knew Brother Branham also. Et où un frère qui avait connu aussi Frère Branham. Invited me for tea. Il m'a invité pour une tasse de thé. And in this conversation, et pendant cette conversation, he said, Brother Frank, il m'a dit, Frère Frank, you travel all over the world, tu voyages dans le monde entier, but you don't preach the message. Mais tu ne prêches pas le message. I was a bit shocked. J'étais un peu choqué. Said, brother, I need an explanation for this. Et je lui ai dit, frère, j'ai besoin d'une explication à ceci, à and cela. Then his answer was, et sa réponse fut celle-ci. Because you don't preach the seven thunders. Parce que tu ne prêches pas les sept tonnerres. You don't preach the message. Tu ne prêches donc pas le message. Because the message is the seven thunders. Parce que le message, c'est les sept tonnerres. I was so sad.
J'étais tellement triste. I said, beloved brother, j'ai dit, mon bien-aimé frère, please let me know what the seven thunders are. S'il te plaît, dis-moi ce que sont les sept tonnerres. He said, it's a revelation. Il m'a répondu, c'est une révélation. I asked, please let me know the revelation. Et je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi quelle est cette révélation. His answer was, et sa réponse fut celle-ci. It is a mystery. C'est un mystère. So I asked him, et je lui ai posé la question, let me know the mystery. Que je puisse connaître ce mystère. Finally, I began to weep. Et finalement, j'ai commencé à pleurer. I said, brother, we have to stop this conversation. Et j'ai dit, frère, nous devons arrêter cette conversation. You are deceived. Tu es séduit. You are deceived. Tu es séduit. I left my tea. Et j'ai déposé ma tasse de thé. And I asked the brother to take me back to the airport. Et j'ai demandé au frère de me raccompagner à l'aéroport. Let me say this with the absolute assurance of the word of God. Permettez-moi vous dire ceci avec l'assurance absolue de la parole de Dieu. If something is not written in the word of God, si quelque chose n'est pas écrit dans la parole de Dieu, how can I check it? Comment est-ce que je peux vérifier cela? If I read the scriptures, quand je lis les écritures, I must be able to check. Je dois être capable de vérifier. Like when Brother Branham says, comme frère Branham l'a dit, that God made the promise, Dieu a fait la promesse, that before the great day of the Lord comes, que avant la venue du grand jour du Seigneur, he will send the prophets, il va envoyer un prophète. Then I can go to Malachi chapter 4. Ainsi, je peux lire dans Malachie chapitre 4. I can go to Matthew 17. Je peux lire dans Matthieu chapitre 17. I can go to Mark chapter 9. Je peux lire dans Marc au chapitre 9. I can go from place to place. Je peux aller d'un endroit à un autre. And verify the word of God. Et vérifier moi-même dans la parole de Dieu. In the Old and the New Testament. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Where can you go with a revelation of seven thunders? Où est-ce que vous pouvez vérifier cela avec la révélation des sept tonnerres? Because I love you. Parce que je vous aime. I love you. Je vous aime. With the true love of God. Avec le vrai amour de Dieu. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. When Brother Branham was on Sunset Mountain, quand Frère Branham était sur la montagne Sunset, just before the supernatural cloud appeared, avant l'apparition de la nuée surnaturelle, there were seven mighty thunderclaps. Il y eut sept coups de tonnerre. The whole earth of the area shook like this. Que toute la terre, toute la région s'était ébranlée. And right from the mountains, the rocks were just moving down. Et des montagnes, des pierres se sont arrachées. And the trees, the tops of the trees were cut. Et les cimes des arbres se sont coupées. When we had our meeting with Brother Green in Tucson, quand nous avons eu nos réunions avec Frère Green à Tucson, after the departure of Brother Branham, après le départ de Frère Branham, he took us to the place. Il nous a amenés à cet endroit-là. On Sunset Mountain, sur la montagne Sunset, he showed us the rocks which had come down. Il nous a montré les pierres qui se sont écroulées. He showed us the trees which were cut. Et la cime des arbres qui étaient coupés. These eyes have seen. Mes yeux ont vu cela. And he gave the testimony. Et il a donné le témoignage. And my dear brothers, et mes chers frères, Brother Branham knocked seven times on the pulpit. Frère Branham a frappé sept fois sur la chair. Referring to the seven thunderclaps. Et il s'est référé aux sept coups de tonnerre. Of February 28. Du 28 février 63. 1963. Just in connection with the opening of the seventh. Qui était en rapport avec l'ouverture des sept sceaux. Because only at that moment. C'est seulement à cause du fait when que. When these mighty seven thunderclaps appeared. Il y a eu ces sept coups de tonnerre. Brother Branham looked up. Frère Branham a levé les yeux. And he saw the supernatural cloud. Il a vu la nuée surnaturelle. And he was actually taken into that cloud. En fait, il fut ravi dans cette nuée. And he saw the seven angels in the form of a pyramid. Et il a vu les sept anges en forme de pyramide. And he said the six did not mean as much to me as the seven. Et il a dit les six autres n'avaient pas autant d'importance pour moi que le septième. And he was a seventh in the form of a pyramid. Et c'était le septième dans cette forme pyramidale. Qui s'est adressé à Frère Branham, that he should return to Jefferson, qu'il devait retourner
retourner à Jeffersonville pour l'ouverture de cette sauve. Ainsi, frère Branham fut obéissant à cela, à cette commission divine, et il est retourné à Jeffersonville et il a prêché au sujet de cette tonnerre, cette sauve. Du 17 mars au 24 mars 1963. Ainsi, quand frère Branham a dit, il y a la foi de l'enlèvement dans les sept sceaux, dans les sept tonnerres. Il a fait plusieurs déclarations. Et les frères ne comprennent pas cela. La connexion dans laquelle il y a ces déclarations. Ils ont leurs propres pensées. Ils ont leurs propres interprétations. Et ils répètent, le prophète a dit, le prophète a dit. Mais ne comprenant pas la connexion directe in which the prophet was speaking. Dans laquelle le prophète parlait. So by the grace of God, ainsi par la grâce de Dieu, this was not my decision, ceci n'était pas ma décision, but God Almighty knows how to do things. Mais le Dieu Tout-Puissant savait comment faire les choses. Because I followed Brother Branham's ministry. Parce que j'avais suivi le ministère de frère Branham, right to the opening of the seven seals. Depuis l'ouverture des sept sceaux, and after the opening of the seven seals, après l'ouverture des sept sceaux, and I translated his sermons into the German language. Et j'ai traduit ses prédications en allemand. I know every sermon in and out. Je connais toutes les prédications de A à Z. So I can say by divine authority by the word of God. Et ainsi je peux dire par l'autorité divine de la parole de Dieu. If something is not written in the word of God, si quelque chose n'est pas écrit dans la parole de Dieu, leave it with God. Laissez cela avec Dieu. He will take care of it. Il va en prendre soin. And I say also in the name of the Lord, et je dis aussi dans le nom du Seigneur, every ministry placed by God into the body of Christ, que tout ministère établi par Dieu dans le corps de Christ, will be for the upbuilding of the body of Christ, sera pour l'édification du corps de Christ. It will not be for division, et cela ne servira pas à une division. It will not be for confusion, ça sera pas pour apporter une confusion. Ephesians chapter 4, Ephésiens chapitre 4, 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthiens chapitre 14. The different ministries are placed in the body of Christ. Les différents ministères sont établis dans le corps de Christ. For the perfection of the body of Christ. Pour la perfection du corps de Christ. For the ministry of the body of Christ. Pour le ministère des saints du corps de Christ. In the final work of God in of grace on earth. Dans l'œuvre finale de Dieu. De l'œuvre de la grâce de Dieu sur la terre. It will not be a prophet. Ça ne sera pas un prophète. It will not be a preacher. Ça ne sera pas un prédicateur. It will be the whole body of Christ. Ça sera tout le corps de Christ. Every member of the body of Christ. Chaque membre du corps de Christ. Will have part in the final move of the Holy Spirit. Va prendre part à l'œuvre, à l'action finale du Saint-Esprit. And all of you beloved brethren. Et à tous mes bien-aimés frères. Who preach the word of God. Qui prêchent la parole de Dieu. Read especially Ephesians chapter 4. Lisez attentivement Ephésiens chapitre 4. Read all the verses. Go on and read. Lisez tous les versets du 1 jusqu'à la fin. And you will find out. Et vous allez voir. It's for the uniting of the body of Christ. Que ceci est pour l'unité du corps de Christ. It's for bringing the body of Christ into perfection. Et c'est pour que le corps de Christ soit dans la perfection. So the scripture can be fulfilled. Ainsi l'écriture pourra s'accomplir. One Lord. Un seul Seigneur. One faith. Une seule foi. One baptism. Un seul baptême. One message. Un seul message. One divine revelation. Une révélation, une seule révélation. The revelation of Jesus Christ. La révélation de Jésus Christ. Not the revelation of one brother. Et non la révélation d'un frère. But the revelation of Jesus Christ. Mais la révélation de Jésus-Christ. That is the first chapter of the last 22 chapters. Ça c'est le premier chapitre des 22 derniers chapitres de la Bible. No, it's the first verse of the first chapter. C'est le premier verset du premier chapitre des 22 chapitres de l'Apocalypse. Revelation of Jesus Christ. La révélation de Jésus-Christ. The Greek word means unveiling. Le mot grec veut dire dévoilement. If something is totally hidden,
Si quelque chose est totalement caché, entièrement caché, vous ne voyez donc rien, rien. And then apocalypse. Et apocalypse en unveiling, grec unveiling, veut dire dévoilement. Unveiling, dévoilement. Unveiling, dévoilement. Unveiling, dévoilement. And then you see. Et vous pouvez voir. So by the grace of God, ainsi par la grâce de Dieu, we have received the greatest revelation. Nous avons reçu la plus grande révélation. My beloved brothers, mes bien-aimés frères, there has never been a time on the face of the earth, il n'y a jamais eu un temps sur la face de la terre, when the supernatural has taken place as in our time. Comme le surnaturel a pu s'accomplir comme dans notre temps. For the past 2000 years, dans les 2000 dernières années, there has not been such a ministry on earth. Il n'y a pas eu un tel ministère sur la terre. So our beloved brother William Branham, ainsi notre bien-aimé frère William Branham, was the promised prophet, qui était le prophète promis, with the promised words, avec la parole promise, to the children of promise, pour les enfants de la promesse, to inform us about the whole counsel of God, pour nous informer sur tout le conseil de Dieu, but not to take us away from the words, et non pour nous éloigner de la parole, to his own teachings, à ses propres enseignements. And my beloved brothers, et mes bien-aimés frères, let me make the statement. Permettez-moi de faire cette déclaration. If you go to Jehovah's Witnesses, quand vous allez vers les témoins de Jéhovah, they have their prophets. Ils ont leurs prophètes. If you go to all the denominations, quand vous allez dans les autres dénominations, they follow their prophets. Ils suivent leurs propres prophètes. If you go to the Seventh-day Adventists, quand vous allez dans les Adventistes du septième jour, they follow their prophetess. Ils suivent leur prophétesse. And that prophetess claimed to be Malachi chapter 4. Et leur prophétesse dit être Malachi chapitre 4. You can go from denomination to denomination. Vous pouvez aller d'une dénomination à une autre. Some follow Joseph Smith. Et il y en a qui suivent Joseph Smith. Some follow Ellen White. Et d'autres suivent Ellen White. Some follow Mr. Russell. Et d'autres suivent Monsieur Russell. Others follow in other denominations. Et les autres suivent dans d'autres dénominations. Some follow Martin Luther. Il y en a qui suivent Martin Luther. Some follow Zwingli. Et d'autres qui suivent Zwingli. But the time has come. Mais le temps est arrivé. For us to understand. Afin que nous comprenions. We follow Jesus Christ. Que nous suivons Jésus Christ. William Branham, God's servant. William Branham, le serviteur de Dieu. Pointed us to Jesus Christ. Nous a montré Jésus Christ. And therefore we have to do the same. Et nous devons donc faire la même chose. If you can only say the prophet said, si vous ne pouvez dire que le prophète a dit, if you cannot say the scripture said, si vous ne pouvez pas dire que les Écritures disent, the word of God said, la parole de Dieu dit, you're in danger. Vous êtes donc en danger. William Branham was a prophet. William Branham était un prophète. And the word comes to the prophet. Et la parole vient au prophète. And he brings us back to the word of God. Et nous ramène à la parole de Dieu. I want to know from all this congregation. Je voudrais savoir de toute cette congrégation. Are you prepared to return to the word of God? Est-ce que vous êtes prêt à retourner à la parole de Dieu? God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. There is no other way to make it. Il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à cela. I'm not criticizing, but I say again. Mais je ne critique pas, mais je le répète. Some follow this brother. Il y en a qui suivent tel frère. There was a brother in New York. Il y avait un frère qui est à New York. He said the seven thunders are the seven virtues. Il dit que les sept tonnerres sont les sept vertus. There was another brother somewhere else. Et il y a aussi un autre frère quelque part. He said they are seven great men. Que ça sera sept grands hommes. Which will travel the world. Qui vont parcourir le monde. And be used in a special way. Et seront utilisés d'une manière spéciale. But he only found one man. Mais on a trouvé qu'un seul homme. That was himself. Et c'était lui-même. He didn't find the other six. Il n'a pas trouvé les six autres. Many on earth believed him. Et plusieurs sur la terre continuent à le croire. Because he could refer to Brother Branham. Parce qu'il peut se référer à Frère Branham. He even had a dream Brother Branham referred to. Et il a même eu un rêve dont Frère Branham en a parlé. And people had respect to him. Et les gens le respectent. And now the man died. Et maintenant l'homme est mort. And what happened to
to the other six. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il en est des six autres? I say in the name of the Lord. Je le dis dans le nom du Seigneur. Don't believe any man. Ne croyez aucun homme. Believe God. Croyez Dieu. Believe the word of God. Croyez la parole de Dieu. Don't follow a man. Ne suivez pas un homme. Follow Jesus Christ. Suivez Jésus Christ. And you will make it. Et vous allez parvenir au but. Our time is far spent. The first question was about Acts 15. Notre temps est passé. La première question était au sujet de Actes chapitre 15. In Acts 15. Dans Acte chapitre 15. The whole church and the apostles and the elders came together. Toute l'église et les apôtres et les anciens se sont rassemblés. Because the apostle Paul and Silas had come. Comme parce que l'apôtre Paul et Silas étaient là, sharing with them what God did in the nations. Et en partageant, ils leur ont dit ce que Dieu a fait parmi les nations. And then the question was about circumcision. Et la question était sur la circoncision. And then the four things were decided which must be kept. Et les quatre choses qui furent décidées que les chrétiens devaient observer. So it's very clear. Ainsi, c'est très clair. There it says in Acts chapter 15, et il est dit dans Actes au chapitre 15. It pleased the Holy Spirit and us to only give you these four points. Et il a plu au Saint-Esprit ainsi qu'à nous de vous prescrire ces quatre points. And quatre then here, the next one is in Acts chapter 20, verse 7. Et l'autre, c'est Actes chapitre 7 verset 21, 4 chapitre 20 verset 7. I think that is already answered. Ces choses ont déjà on a déjà répondu. And then there is a question about Leviticus 18:18. Il y a une question sur Lévitique chapitre 18 verset 18. Also in connection with 2 Samuel 13:12. Et aussi en connexion avec 2 Samuel chapitre 13 verset 12. And then going on into other scriptures. Et dans d'autres écritures qui sont mentionnées. But I cannot answer more than the scripture answers. Mais je ne peux pas donner une réponse mieux que les écritures. If you have not yet received the answer, si vous n'avez pas encore reçu la réponse, you have to read again. Vous devez donc relire. You have to read again. Vous devez relire. Until you get the answer. Jusqu'à ce que vous ayez la réponse. The answer must be there. La réponse doit se trouver if là. It's not in this scripture, it's in another scripture. Si ce n'est pas dans cette écriture, c'est donc dans une autre écriture. And what is this question about Ephesians 2:7? C'est la question sur Éphésiens chapitre 2, verset 7. Yes, what is this question? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. In English? In English, to show the richness of his grace. Yes, amen. Amen. God has given us all in Jesus Christ our Lord. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ notre Seigneur. And it only needs to be manifested. Et cela va encore se manifester. Beloved brothers. Mes bien-aimés frères. The moment will come. Le temps viendra. When all the things God promised. Où toutes les choses que Dieu a promises. Will become a reality. Deviendront des réalités. We are all going to be surprised. Nous allons tous être surpris what God will do. Des choses que Dieu va faire. Then there is about Galatians chapter 1. Et il y a une question sur Galates chapitre 1. I don't know precisely what this question is. Et je ne vois pas précisément ce que cette question. But I'm sure it's yeah. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Yes, amen. Yes, yes. So, yes, and they are here today. Et oui, ils sont ici aujourd'hui. Yes, not only then, they're here today. Because all the brothers that were with Christ, parce que tous les frères qui étaient avec Christ, they were with the Apostle Paul. Ils étaient aussi avec l'apôtre Paul. They recognized the divine call given to him. Ils avaient reconnu l'appel divin qui lui avait été adressé. All in the times of Brother Branham were not with the other evangelists, but they were with Brother Branham. Tous ceux qui, dans le temps de Frère Branham, n'étaient pas seulement avec les évangélistes, ils étaient avec Frère Branham. It is absolutely necessary to take sides with God and the servants of God. C'est vraiment nécessaire de prendre position pour Dieu et pour sa parole. To recognize what God is doing in our time. De reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. In the days of our Lord, dans les jours de notre Seigneur, the scribes could point back to what God did in many years back. Les scribes pouvaient montrer
se référer à ce que Dieu a fait dans les années antérieures. And here another question, the message is the blood of Jesus Christ. Et ici une autre question, le message c'est le sang de Jésus-Christ. My God in heaven, how can a sentence like this be written? Mon Dieu au ciel, comment est-ce qu'on peut dire une telle chose? The message is the message. Le message c'est le message. The blood is the blood. Le sang c'est le sang. Everything in the right place. Tout à sa place. According to Hebrews. Selon Hébreux. Our Lord went with his blood in the holiest of holies. Notre Seigneur est monté avec son sang dans le Saint des Saints. In the morning of the day of resurrection. Le matin du jour de la résurrection. He said, "Don't touch me." Il a dit, ne me touche pas. I've not yet ascended to my Father and to your Father. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. But in the evening, mais le soir de ce même jour, he was gathered with his disciples. Il était rassemblé avec ses disciples. And they had fellowship with him. Et ils ont eu communion avec the lui. Blood was placed on the mercy seat. Le sang était placé sur le trône de la grâce. There are even some who say since the opening of the seals, et il y en a qui disent même depuis l'ouverture des sceaux, there's no more blood on the mercy seat. Que le sang n'est plus sur le trône de grâce. The blood will be on the mercy seat even after the rapture. Le sang sera là même après l'enlèvement. Revelation chapter 7. Apocalypse chapitre 7. The white dressed multitude which no one can number. La multitude habillée en blanc que nul ne pouvait compter, ne peut compter. Which must go through the persecution time. Qui doit passer par le temps de la persécution. They wash their robes in the blood of the lamb. Il est écrit, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Revelation chapter 7. Apocalypse chapitre 7. Forget all your specialities. Oubliez toutes vos spécialités. Return to the preaching, to the simple preaching of the word of God. Retournez à la simplicité de la prédication de la parole de Dieu. Don't cause any divisions. N'apportez pas une quelconque division. May you be used for the upbuilding of the body of Christ. Que vous soyez tous utilisés pour l'édification du corps de Christ. Some believe the Lord has already come. Il y en a qui croient que le Seigneur est déjà revenu. In 1963. En 1963. And Brother Branham in November 1965. Et Frère Branham en novembre 1965. He addresses all the people in the different cities. Et il s'est adressé à tout le peuple dans différentes villes. Waiting for the coming of the Lord. Ceux qui attendaient la venue du Seigneur. I don't know, but some people are not right in their head. Et je ne sais pas, mais il y en a qui ne sont pas corrects bien dans leur tête. No, and not right in the words. Ils ne sont pas non plus corrects not droit right, dans la parole. Not right in faith. Et n'ont pas droit dans leur foi. Because the Holy Scripture says, parce que les Saintes Écritures disent, when he comes, quand il reviendra, I go. Je pars. The Holy Scripture says, les Saintes Écritures disent, two will be on one bed, il y en a deux qui seront dans un même one lit, will be taken, l'un sera pris, two will be in one field, et deux seront dans un champ, one will be taken, l'un sera pris. Today everybody's here. Et aujourd'hui, tout le monde est encore là. I told you this before, je vous l'ai dit auparavant, when the brother in Virginia, USA, told me, quand le frère en Virginie aux États-Unis m'a dit that they were all raptured and I'm left behind, que tous sont enlevés, mais toi, tu es resté. I said, brother, you are here and I'm here. Et je dis, frère, mais toi tu es ici et je suis ici. No, but he says it's a revelation. Et il m'a dit, mais c'est une révélation. Rapture is a revelation. Il a dit, l'enlèvement est une révélation. I said, brother, stop. Et je dis, frère, arrête. Rapture is a reality. L'enlèvement est une réalité. It's a reality. C'est une réalité. Maybe we will say this afternoon. Peut-être que nous allons le dire cet après-midi. Everything with our Lord is a reality. Tout ce qui est en connexion avec notre Seigneur est de la réalité. So there are other questions here. Il y a d'autres questions ici. Also Ephesians chapter 4. Et aussi dans Ephésiens chapitre 4. And the question is whether everybody must have an audible call. Et la question est, est-ce que tout le monde doit entendre une voix audible? Non, pas tout le monde et pas tous les frères. Yes, only
No, Timothy had a call. Il n'y avait pas Timothée qui avait entendu no, Titus had a call. Et Tite n'avait pas reçu un appel. But he had a ministry. Mais ils avaient un ministère. They were placed by God. Ils étaient placés par Dieu. Only the Apostle Paul had the call. Et c'est seulement l'apôtre Paul qui avait But reçu un all tel the appel. Other brothers had a ministry. Mais les autres frères aussi avaient un ministère. And God was using Paul, God was using all the other ministries. Et Dieu qui utilisait Paul utilisait aussi les autres frères, Then les autres ministres. A question about Matthew chapter 18. Et il y a une question au sujet de Matthieu chapitre 18. How to apply that scripture? Comment appliquer cette écriture? Also in connection with all the other scriptures. Et aussi en rapport avec d'autres écritures. But as I said before, et comme je l'ai dit auparavant, I cannot say more than the scriptures. Je ne peux pas dire plus que les écritures. If you don't have the answer yet, si vous n'avez pas encore la réponse, you must read one more time. Vous devez encore lire une fois. And you must read the other scriptures et lire encore les autres écritures so that you get the answer. Afin d'obtenir, de recevoir la réponse. And you know, the good part is this. Et vous voici la bonne chose. Then you cannot say, Brother Frank gave the answer. Vous n'allez pas dire Frère Frank l'a dit. No, c'est ça la bonne chose. You get the answer from the word of vous allez recevoir la réponse de la parole de Dieu. That is very important. Ça c'est très important. I don't want any one of you je ne veux qu'aucun d'entre vous to refer to me. Se référer à moi. And I mean it. Et je le dis vraiment. I mean it. Je veux le dire. Sometimes brothers call me. Et parfois, il y a des frères qui m'appellent and they speak a few words. Et disent quelques paroles. And these brothers in different countries will say, et ces frères dans certains pays disent I spoke to Brother Frank. J'ai parlé avec Frère Frank. And Brother Frank said, et Frère Frank m'a dit and now I finish talking with anyone. Et maintenant, je ne parle plus avec quelqu'un. I cannot speak with a single je ne peux pas tenir une conversation privée. I can only obey the commission je ne peux qu'obéir au mandat to go from city to city, d'aller d'une ville à une autre to share the word of God, et partager la parole de Dieu. And what I have to say, et ce que je dois dire, I say from here, from the pulpit, je le dis du haut de la chaire. Not in private conversation. Et non dans une conversation privée. So there are other questions here. Ainsi, il y a d'autres questions ici. But I just say again. Et je le dis encore. Like here, 1 Corinthians chapter 5. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5. Galatians chapter 5 verse 12. Galates chapitre 5 verset 12. Just read again. Relisez encore. And you will have the answer. Et vous aurez la réponse. Then Matthew 18 again. Et encore, il est parlé de Matthieu 18. Yes, and then another question. Et encore une autre question. About Acts 9, 7. Sur Actes chapitre 9 et chapitre 7. In comparison to Acts 22, verse 9. Et en comparaison avec Actes chapitre 22, verset 9. The two scriptures speak about what Paul experienced on the way to Damascus. Les deux écritures mentionnent ce que Paul a expérimenté sur le chemin de Damas. Actually, in Acts chapter 9. En fait, dans Actes chapitre 9. Acts chapter 22. Actes chapitre 22. Acts chapter 26. Acte au chapitre 26. And the difference is this. La différence est celle-ci. In chapter 9, au chapitre 9, Luke gives the report. C'est Luc qui écrit. Not Paul. Ce n'est pas Paul. Luke gave the report. C'est Luc qui fait le compte rendu. Of what happens on the way to Damascus. De ce qui était arrivé sur le chemin de Damas. In Acts 22, dans Actes chapitre 22 and in Acts 26, et dans Actes chapitre 26, the Apostle Paul gives his testimony. C'est l'apôtre Paul qui donne son témoignage. But if you read the two accounts very carefully, et si vous lisez attentivement les deux comptes rendus, they actually do say the same thing. Ils disent tous deux la même chose. One account says we heard not. Il y a un compte rendu qui dit nous n'avons pas entendu la voix. The others who accompanied Paul, les autres qui accompagnaient Paul did not hear the voice. Ils n'ont pas entendu la voix. And the other one says, et les autres disent that they heard the voice. Qu'ils avaient entendu la voix. But here is the difference. Mais voici la différence. The voice was not speaking to those who accompanied Paul. La voix n'était pas adressée à ceux qui accompagnaient Paul. Even if they heard, même s'ils avaient entendu cela. The Lord was speaking to Paul. Mais le Seigneur parlait, s'adressait à Paul. Not to those who were around him. Et non à ceux qui étaient autour de lui. So you put the two or three accounts and you have the
perfect understanding. Ainsi, vous mettez les deux, les trois comptes rendus, vous aurez une bonne compréhension. Like when the apostles were on the mountain, the three apostles comme, on the mountain. Comme quand les trois apôtres étaient sur la montagne de la Transfiguration. They heard the voice. Ils avaient entendu la voix. But God was not speaking to them three. Et mais Dieu ne parlait pas aux trois. He said, "Thou art my son." Il a dit, tu es mon fils. Today have I begotten thee. Et je t'ai engendré. So even there with this experience, et même dans ces expériences, even if they heard, but the Lord was speaking to Paul. Et même ils ont entendu, mais le Seigneur s'adressait à Paul. Leave this with the Lord and with Paul. Et laissez cela entre les mains du Seigneur et avec Paul. Just worry about the things which concern us. Et ne vous souciez que des choses qui nous concernent. Then, even here, Isaiah 28 is one more question. Et même dans Ésaïe chapitre 28, une verse autre question, 13. Au verset 13. Again, I say you must read the New Testament. Et je le dis encore, vous devez lire le Nouveau Testament. To have the answer for the questions in the Old Testament. Pour avoir la réponse des questions de l'Ancien Testament. But let us finish in saying this. Et nous allons conclure en disant ceci. Please, beloved brethren, don't concentrate on specialities. S'il vous plaît, mes bien-aimés frères, ne vous concentrez, ne vous focalisez pas sur les spécialités. Even don't make any subject your speciality. Et qu'aucun sujet ne devienne votre spécialité. Keep the equilibrium in the word of God. Gardez l'équilibre dans la parole de Dieu. In the preaching, in the teaching. Dans la prédication, dans l'enseignement. Always keep the balance in the scriptures. Gardez la balance, l'équilibre dans, la, dans les Écritures. And one more thing, beloved brothers. Et encore une chose, mes bien-aimés frères. Never speak bad about another brother. Ne parlez pas du mal d'un autre frère. Some brothers speak bad about another brother and to try to destroy his influence to build their own influence. En fait, il y a des frères qui parlent du mal d'un autre frère pour détruire son influence et commencer leur propre œuvre. When I came to Libreville on the flight, I heard Brother Branham's sermon. Quand j'étais dans mon vol vers Libreville, j'ai écouté une prédication de Frère Branham. With the title Influence. Et intitulée L'influence. Influence. L'influence. How quickly can we lose the influence? Combien vite nous pouvons perdre, vite perdre notre influence? If the confidence towards a ministry is destroyed. Si la confiance qu'on a dans un ministère est détruite. Even Brother Branham made the statement. Et même Frère Branham a fait la déclaration. You don't need to put a knife into a pastor's back. Vous n'avez pas besoin de mettre un couteau sur le dos d'un pasteur. You just need to say something bad about him. Vous n'avez qu'à dire quelque chose de mauvais sur lui. And you ruin the influence God gave unto him. Et vous allez ruiner toute l'influence que Dieu lui a donnée. Please, if you are called to the ministry. S'il vous plaît, si vous êtes appelé à un ministère. Preach the word of God. Prêchez la parole de Dieu. Never in my life did I attack a single brother. Je n'ai jamais dans ma vie attaqué un quelconque frère. I will have to say about the wrong doctrines. Et j'aurai à dire encore sur les fausses doctrines. But never mention a brother by name. Je peux dire des choses sur les mauvaises doctrines, mais jamais in sur un frère. All my circular letters. Dans toutes mes lettres circulaires. I never mention a brother by name. Je n'ai jamais mentionné un frère par son nom. Even when we look back into the last few years. Et même quand nous regardons en arrière dans les dernières années. How many different things were brought up in the message. Combien de choses différentes ont été infiltrées, apportées dans le message. I love the brothers. J'aime ses frères. But if a brother stands up and says, et si un frère se lève et prétend, dit, I'm Isaiah chapter 42, que je suis Ésaïe chapitre 42, because somebody saw flaming fires come from my eyes, parce que quelqu'un a vu que des feux sortaient de mes yeux, des feux de flammes, then I have to say, et je dois donc dire, there is only one whose eyes are as flames of fire. Que un seul a des yeux comme des flammes de feu. No William Branham, no Apostle Paul. Même pas William Branham et aucun apôtre. They were men of God. Ils étaient des hommes de Dieu. But only Jesus Christ. Mais c'est seulement Jésus-Christ walks amidst the seven golden candlesticks. Qui marche au milieu des sept chandeliers d'or.
And his eyes are the flames of fire. Et ses yeux sont comme des flammes de feu. And in addition to this, et en plus de cela, with Isaiah 42, avec Ésaïe chapitre 42, you must go to Matthew chapter 12, vous devez lire Matthieu chapitre 12. And see how the scripture was fulfilled in Jesus Christ. Et voir comment l'écriture s'est accomplie dans la personne de Jésus-Christ. I'm asking you, je vous demande, I'm asking you in love, je vous demande dans l'amour and in the grace of God, et par la grâce de Dieu, how can a brother, comment un frère apply a scripture, peut s'appliquer à soi-même which is in the Old Testament, une écriture de l'Ancien Testament, and where the fulfillment is shown in the New Testament, dont l'accomplissement est montré dans le Nouveau Testament, in Jesus Christ himself, dans la personne de Jésus-Christ. How can he take that scripture to be him? Et comment est-ce qu'il peut prendre cette écriture et l'appliquer à sa personne? It's beyond that anyone can understand. C'est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. But the moment comes, mais le moment arrive, if somebody thinks he's somebody, si quelqu'un croit être quelqu'un, the moment you think that you are something very special, si au moment où vous pensez être quelqu'un de spécial, that you have a special call, que vous avez reçu un appel spécial, that you have a special ministry, que vous avez un ministère spécial, something comes up, il y a quelque chose qui vous monte à la tête, and your nose goes up, et on se lève le nez, and then, la tête, and then. Et puis ensuite, stay humble. Demeurez humble. Be satisfied with the ministry God gave you. Soyez satisfait avec le ministère que Dieu vous a donné. Even to mention for the last Matthew chapter 25. Et même pour mentionner au sujet de Matthieu chapitre 25. When Brother Branham, even in the last sermon I heard. Et même dans la dernière prédication que j'ai entendue. He referred to Zechariah chapter 14. Il s'est référé à Zacharie chapitre 14. It shall be light in the evening time. Au temps du soir, il y aura de la lumière. And he made the whole sermon the message of the evening time. Et il a fait toute une prédication, le message du temps du soir. Just comparing the Old Testament prophecies, en comparant les prophéties de l'Ancien Testament, with the New Testament, avec le Nouveau Testament, as Brother Branham did, comme Frère Branham l'a fait, with the seven thunders which appeared on February the 28th, avec les sept coups de tonnerre qui ont retenti le 28 février. With Revelation chapter 10, il a comparé cela avec Apocalypse chapitre 10, because that is the only place in the Bible, parce que c'est le seul endroit dans la Bible which speaks about seven thunders, qui parle de sept tonnerres. But then if you pay precise attention, et si vous prêtez vraiment attention, Brother Branham used the word in the plural. Frère Branham en parlait au pluriel. The mysteries will be revealed. Les mystères seront révélés. But the Bible speaks about the singular. Mais la Bible en parle au singulier. And not only the singular, et non seulement au singulier, in concern to the mystery, en rapport avec le mystère, but then the mystery of Christ will be revealed. The mystery of God will be revealed. Il est écrit, le mystère de Dieu sera révélé. Not the 40 mysteries which the Lord spoke about the kingdom of God. Et non, les 14 mystères dont le Seigneur a parlé du royaume de Dieu. They claim there are 40 parables in which the Lord spoke about the kingdom of God. Et il est écrit qu'il y a 14 paraboles dont le Seigneur a parlé au sujet du royaume de Dieu. And the Lord spoke all things in a parable, in a parable, in a parable. Et il a parlé de tout en parabole. And the real thing is hid in the parable. Et tout, la chose centrale est cachée dans la parabole. And to the people he spoke in parables. Au peuple, il parlait en parabole. But to the disciples he spoke very clearly. Spoke very clearly. Mais aux disciples, il parlait ouvertement, très to clairement. To you, it is given to understand the mysteries, mysteries. Et il disait à vous, il a été donné de connaître les mystères. And because Brother Branham was a seventh church age message. Parce que Frère Branham était le septième messager du septième âge. The church age of Laodicea. Au septième église, à la septième église de Laodicée. When all things must be restored. Ou dans laquelle tout doit être restauré. When all the mysteries of the plan of salvation. Ou tous les mystères du plan du salut. From Genesis to Revelation. De la Genèse à l'Apocalypse. Were revealed in our time. Furent révélés, ont été révélés dans Brothers, notre temps. Brothers, it's the greatest time of the history of mankind. Frère, c'est un grand, le temps le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Even when it comes to the Garden of Eden.
même au sujet du jardin d'Éden. Frère Branham a dit, l'ange du Seigneur est venu dans la pièce où j'étais. He told me what happened around midday. Il m'a dit ce qui était arrivé aux environs de midi, with the serpent and with Eve, à midi entre le serpent et Ève, and on the same day before the evening with Adam and Eve, et le même jour avant le soir entre Adam et Ève. He said the angel of the Lord stood in my room. Il a dit l'ange du Seigneur était là dans la pièce où j'étais. He told me what happened. Il m'a dit ce qui était arrivé in the garden of Eden, dans le jardin d'Éden. I believe with all my heart, je crois cela de tout mon cœur, William Branham was the man sent from God, que William Branham était l'homme envoyé par Dieu, William Branham was the messenger of the hour, que William Branham était le messager de l'heure. He had the right to use Revelation chapter 10. Il avait le droit d'utiliser Apocalypse chapitre 10. Because he was the last church age messenger. Parce qu'il était le dernier messager du dernier âge. So whom all the mysteries of the word of God were revealed. Au travers de qui tous les mystères de la parole de Dieu furent révélés. But Revelation 10 remains as it is. La Apocalypse chapitre 10 reste là où elle doit être. Because it's a prophetic scripture. Parce que c'est une écriture prophétique. And it will take place the way it is written. Et cela va s'accomplir tel que c'est écrit. So, my beloved brothers, ainsi, mes bien-aimés frères, stay in the word of God, restez dans la parole de Dieu, stay in the will of God, demeurez dans la volonté de Dieu. Don't follow any teaching that is not in the scriptures. Ne suivez pas une quelconque doctrine qui n'est pas dans les Écritures. Be sure God will honor his word. Soyez sûr que Dieu va honorer sa parole. Be in the word of God, be in the will of God. Soyez dans la parole de Dieu et dans la volonté and de Dieu. All you beloved brothers, et à tous mes bien-aimés frères who share in this ministry worldwide, qui prennent part à ce ministère dans le monde entier, in this city, dans cette ville, in this country, dans ce pays, and there are brothers from your city, from your country, il y a des frères venant de votre ville et de votre pays, in different countries, dans d'autres pays, sharing the word of God, qui apportent aussi la parole de Dieu, but always remaining within the scripture, et mais demeurant toujours dans les limites de la parole. I made a comparison before, j'avais fait cette comparaison auparavant. In all denominations, dans toutes les dénominations, people follow the founder. The founder. Les gens suivent le fondateur. Whether it was a reformer, et qu'il soit un réformateur, whether she was a prophetess, qu'elle soit prophétesse, or whatever it was, ou quelle que soit la personne, they all go back, they all follow this one. Ils retournent et ils suivent un tel homme. William Branham did not come to start a new religion. William Branham n'est pas venu pour commencer une nouvelle religion. William Branham was sent by Almighty God. William Branham a été envoyé par le Dieu Tout-Puissant to take us back to the original teachings of the Word of God. Pour nous ramener aux enseignements originaux de la parole de Dieu. And so we understand, ainsi nous comprenons, that we don't preach William Branham, que nous ne prêchons pas William Branham. We don't preach Paul, nous ne prêchons pas Paul. We preach Jesus Christ, nous prêchons Jésus Christ, the same yesterday, today and forever, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. But we have the same understanding, mais nous avons la même compréhension, by the same Holy Spirit, par le même Saint-Esprit, that these brethren have, que avaient ses frères. I, brother Frank, by the grace of God, moi, frère Franck, par la grâce de Dieu, don't have a single problem, je n'ai aucun problème with what brother Branham said, avec ce que frère Branham a dit. Because I can take it back to the scripture, parce que je peux ramener cela dans les Écritures and place it precisely where it should be, et les placer exactement là où ça doit être. Take all things back into the word, ramener tout dans la parole and then open the scriptures, et ouvrir les Écritures and preach from the word of God, et prêcher à partir de la parole de Dieu. All the sermons of Brother Branham, toutes les prédications que frère Branham a apportées, every believer can read and every believer can, tous les croyants peuvent écouter et lire. Yes, you don't need anybody to preach a sermon again. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous prêche la prédication. No, no, they're already preached. C'est déjà prêché. Everybody can read. Tout le monde peut donc lire. And let me finally make the statement, et permettez-moi faire cette déclaration. About 14 years past, il y a à peu près 14 années, after the taking away of Brother Branham, 14 années après le départ de frère Branham, right from 1966 to 1979, de 1966 jusqu'à 1979,
79. Il n'y avait aucune doctrine étrangère. Il n'y avait aucun frère qui voyageait d'une nation à une autre. Mais il y avait unité dans le corps de Christ. But then came the time. Et vint le temps when some brothers took statements out of context, où des frères, certains frères ont pris des déclarations dehors de leur contexte. There are books full of statements of Brother Branham, il y a des livres écrits et des livres qui reprennent des déclarations de Frère Branham. But the statements are taken out of context. Mais ces déclarations sont prises en dehors de leur contexte. And they are placed according to what a brother understood. Et elles sont placées selon la compréhension du frère. You must leave every scripture in the context it is written. Vous devez laisser chaque écriture dans son contexte. And you must leave every statement Brother Branham made. Et vous devez laisser chaque déclaration que Frère Branham a faite. Where and when he made it. Là où, au moment et quand il l'a fait. And then there's no confusion. Ainsi, il n'y aura pas de confusion. I hope you understand. J'espère que vous comprenez. Because I do have a responsibility. Parce que j'ai une responsabilité. And I wish to see the bride of Christ made ready. Et je voudrais que l'épouse de Christ soit prête. Because I did a vow with the Lord. Parce que j'ai fait un vœu envers le Seigneur, avec le Seigneur. Right after the taking away of Brother Branham, juste après le départ de Frère Branham, I knew my time had come. Je savais que mon temps était arrivé. And I made a vow with God with many tears. Et j'ai fait un vœu devant Dieu avec beaucoup de larmes. I said, Dear Lord, I will serve you all the days of my life. Et j'ai dit, cher Seigneur, je vais te servir tous les jours de ma vie. Just keep me in your will, keep me in your word. Garde-moi seulement dans ta volonté et dans ta parole. But be with me in such a way. Mais sois avec moi de telle manière that all will hear your word from my lips. Que tous ceux qui écouteront ta parole au travers de ma bouche will believe you. Qu'ils puissent te croire. And I will see them again in glory. Et que je puisse les revoir dans la gloire. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I'm sure I will see you in glory. Je suis certain que je vous reverrai dans la gloire. You don't follow a man. Vous ne suivez pas un homme. You follow Jesus Christ. Vous suivez Jésus-Christ. And he will manifest his resurrection power. Et il va manifester sa puissance de résurrection. I ask finally and again. Et pour demander finalement, je vous demande, how many believe that the return of Christ is very, very near? Combien croient que le retour de Christ est très, très proche? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us stand. Nous allons nous mettre debout. How many believe the original message of the hour? Combien croient le message original, le message de l'heure? Say amen. Dites amen. Amen. How many from now on will not believe a single interpretation? Combien croient que à partir de maintenant ne vont plus croire une quelconque interprétation? Amen. 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 Dites amen. A little louder. Yes. Encore plus fort. Yes. Amen. 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 How many amen. Wish to be ready? Combien veulent être prêts? As we read in Matthew 24, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, verse 44, au verset 44, that we should be ready. Que nous devons être prêts. You know what Brother Branham said? Vous savez ce que Frère Branham a dit in the sermon, the rapture, dans la prédication l'enlèvement. The message comes first. Le message vient premièrement. The true word of life. La vraie parole de vie. The bread. The food for the bride. Le pain de vie, la nourriture pour l'épouse. So we understand the two major things. Et nous comprenons les deux choses majeures, importantes. One is the message. La première, c'est le message. Sharing the spiritual food with God's people. En partageant, distribuant la nourriture spirituelle avec le peuple. Through the message of the hour. Au travers du message de l'heure. And as I tried to say before, et comme j'ai essayé de le dire auparavant, when Brother Branham refers to Zechariah 14, quand Frère Branham s'est référé à Zacharie chapitre 14, it shall be light in the evening time, qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. We say amen. Nous disons amen à cela. And when the Holy Scriptures
speaks about the midnight cry, et quand les Saintes Écritures parlent du cri de minuit, we say amen. Nous disons aussi amen. But we don't say the evening time was until then. Et mais nous ne disons pas que le temps du soir a duré jusque ici. And the midnight time is from then. Et que le temps de minuit a commencé à partir d'ici. And the cry of the cock is from that time. Et que le cri du coq a commencé à partir de ce moment-ci. No, we don't have the cock here. Nous n'avons aucun coq ici. Amen. No, no, no. Not at all. Pas du tout, non, non, non. This is left with God. Nous laissons cela entre les mains de Dieu. Because it refers directly to the coming of the Lord. Parce que cela se réfère directement à la venue du Seigneur. That's why we said what is written. C'est pour cela que nous disons ce qui est écrit. Some will be during the daytime. Il y en a qui seront pendant le jour. Some will be in the night. Et pour les autres, ça sera la nuit. Some will be in the morning. Et pour les autres, ça sera le matin. Some will be in the evening time. Et pour les autres, ça sera au temps du soir. Whatever it might be. Où que ça soit. In all the time zones on earth. Dans tous les temps, les zones géographiques. What makes no difference. Cela ne fait aucune différence. There's only one question. Il n'y a qu'une seule question. Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? So please understand from the word of God. S'il vous plaît, comprenez de la parole de Dieu. We cannot divide the times. Nous ne devons pas diviser le temps. Everything is happening right now. Tout s'accomplit maintenant. Even when Brother Branham was preaching, même pendant que Frère Branham prêchait, he referred to Zechariah 14. Il s'était référé à Zacharie chapitre 14. He referred to Matthew 25. Il s'est référé à Matthieu chapitre 25. He referred to Luke 17. Il s'est référé à Luc chapitre 17. He referred to all the scriptures. Il s'est référé à toutes les Écritures. And so many years after that, et plusieurs années après cela, we are referring to the same scriptures. Nous nous référons aux mêmes Écritures. And we're now at the end of the end time. Et nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Beloved brothers, ministers of the Lord God, bien-aimés frères, ministres du Seigneur Dieu, prêchez seulement ce que vous pouvez prêcher de la parole de Dieu. Don't sell your birthright for US dollars. Non, ne vendez pas votre droit d'aînesse pour les dollars américains. In 1960, the great famous evangelist T.L. Osborne was in Germany. Le grand célèbre évangéliste T.L. Osborne était en Allemagne. I arranged his meetings. J'avais organisé ses réunions in different cities. Dans différentes villes. And he came to me. Et il est venu vers moi with his big car. Avec sa grosse voiture. And tried to convince me. Et il a essayé de me convaincre that I should be his representative. Que je devais être son représentant. That I should be responsible for his ministry in Europe. Et que je serais son responsable, le responsable de ses réunions en Europe. And you know what happened? Et vous savez ce qui arriva? Not an audible voice, ce n'était pas une voix audible, but it spoke in my heart. Mais cela a parlé dans mon cœur. 1960. En 1960. Don't sell your birthright. Ne vends pas ton droit d'aînesse. For US dollars. Pour des dollars américains. Don't sell your birthright. Ne vends pas ton droit d'aînesse. These words which were in my heart. Ces paroles étaient dans mon cœur. Stayed with me from that time on. Et on s'en restait dans mon cœur depuis ce jour-là. And I advise you. Et je vous donne un conseil. Just stay with the Lord. Restez seulement avec le Seigneur. And God will be with you. Et Dieu sera avec vous. And all the divisions will finish. Et toutes les divisions prendront fin. And all the brothers who are under different influences. Et tous les frères qui sont sous des influences différentes. Let them humble themselves. Qui puissent s'humilier. And submit to God and his word. Et se soumettre à Dieu et à sa parole. So that all the divisions will end. Afin que toutes les divisions puissent prendre fin. And the Lord will have his way. Et le Seigneur aura son chemin. In this city, dans cette ville. In this country, dans ce pays. On the whole continent, et sur tout le continent. To his honor and glory. Et pour son honneur et pour sa gloire.
May the blessings of Almighty God que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant rest upon all of you reposent sur chacun de vous. In the precious name of Jesus Christ our Lord. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. If you receive it, si vous avez reçu cela, say amen. Dites amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I thank the brethren for the invitation. Je remercie les frères pour l'invitation. I thank all the brothers have come from different cities. Je remercie tous les frères qui sont venus des différentes villes, from different countries, des différents pays. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May you return with new encouragement. Que vous puissiez retourner avec un nouvel encouragement. To serve the Lord. De servir le Seigneur. To serve the body of Christ. Et de servir le corps de Christ. To share the living bread of life. Et pour partager le pain de vie. And God will be with you. Et Dieu sera avec vous. Pray for me. Priez pour moi. And I will pray for you. Et je prierai pour vous. I will take a photo from the two sections. Je vais prendre la photo des deux côtés. And I take you with me. Afin de vous prendre avec moi. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Thank you for the translation. Thank you. Yes. God bless you. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher des dollars. Nous sommes venus ici pour chercher la parole des vies. Et nous l'avons entendu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Nous pouvons seulement dire comme les enfants d'Israël avant de prier. Comme cela est écrit dans Josué, au chapitre 1er, au verset 10. Josué donna, Yosua pesaki mitindo yo epai ya bakambi ya libota. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Otambula na mulako. Parcourez le camp. Ebotala mibeko boko pesa epai ya libota. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Bomi bomi cela bilei. Préparez-vous des provisions. Jambi katina mikolomisato boko katsanga muna yaladane. Car dans trois jours vous passerez ce Jourdain. Mpona kokende kokwa mboka oyo yawe nzambe na bino. Vous allez conquérir le pays dont le Seigneur votre Dieu. Zali kopesa bino lokola libula. Vous donne la possession. Pe bongo na bongo. Ainsi de suite. E na zomi na motoba. Et au verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons à toutes choses comme nous avons obéi à Moïse. Senzela kaka tika kakete yawe nzambe na yo. Veille seulement le Seigneur ton Dieu. Azala elongo na yo. Être avec toi. Lokola azala elongo na Mosi. Comme il a été avec Moïse. Amen. Moto nyoso yo akotomboka na mubeko na yo. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre. Et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Nous allons nous lever tous et nous allons remercier le Seigneur. Nous savons que le Seigneur c'est un Dieu vivant. Il ne peut pas abandonner les siens comme orphelins. Le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Et au travers de sa parole,
Dieu conduit son église. Et il travaille au travers des hommes. Il a travaillé par Branham. Il travaille au travers de notre frère Franck. Il travaille au travers de chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. La gloire doit revenir seulement à Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Nous n'avons pas de moyens de le dire devant toi. Seigneur, il a été dit des choses profondes qui concernent notre équilibre dans la parole. Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Père. Seigneur, tout ce qui est des spécialités, Père. Seigneur, tout ce qui remonte de l'orgueil de la vie, oh Père, que cela soit loin de tes serviteurs. Mais permets à chacun d'entre nous d'annoncer humblement, Père, que la parole telle que tu nous l'as confiée, Père. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est toi qui continues à travailler au travers de tes serviteurs. Les instructions que nous avons été données, Père, mais ce que nous avons entendu, nous devons aussi le garder dans la fidélité de Dieu. Nous allons prier pour en nous souvenant de la réunion de cet après-midi. Que le Seigneur donne une nouvelle force à son serviteur. Et que le Seigneur permette qu'en cet après-midi nous puissions avoir encore la possibilité d'entendre sa parole. Lui qui a commencé avec nous. Que lui-même continue et achève avec nous. Et la réunion de ce soir, que lui-même travaille, que le Seigneur lui-même travaille. Et que sa paix soit là où nous allons nous réunir. Prions tous ensemble, Seigneur. Seigneur, la réunion de ce soir, nous la recommandons. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous a été appelé par Dieu pour qu'il annonce cette parole de Dieu. Aussi, nous avons besoin de son assistance. Lui-même Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et Paul en son temps, il pouvait dire en son temps que tout pouvoir vient de Dieu. Toutes nos capacités viennent du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne toutes nos capacités. Cela ne dépend pas de la force d'un homme ni de l'intelligence d'un homme. Humilions-nous. Rabaissons-nous sous la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu en toute humilité. C'est seulement cette parole qui guérira nos âmes. Nous tous, en tant que serviteurs, nous devons être nourris. C'est alors que nous pouvons nourrir le peuple. Aussi, nous allons demander à notre frère Franck qu'il prie pour nous tous. Et alors nous allons terminer. Lord God, upon the authority of your holy word. Seigneur Dieu, sous l'autorité de ta parole. All the ministering brethren who are gathered here now, tous les frères dans le ministère qui sont rassemblés maintenant, are ordained by you for the ministry. Ont été ordonnés par toi pour le ministère. They believe you and they believe your word. Ils te croient et ils croient ta parole. Let the same Holy Spirit rest upon them. Que le même Saint-Esprit se repose sur eux. That was upon all the prophets, upon our Lord, upon the New Testament church. Et qui était sur tous les prophètes, sur notre Seigneur et sur toute l'Église du Nouveau Testament. The same Holy Spirit that rested upon Brother Branham. Le même Saint-Esprit qui se reposait sur frère Branham. May they all be led by the Holy Spirit. Into all the truth. Qu'ils soient tous conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Bless their natural lives.
Bénis leur vie naturelle. Bless their spiritual life. Bénis leur vie spirituelle. Bless their ministry. Bénis leur ministère. Bless their ministry. Bénis leur ministère. We dedicate them to you. Et qu'ils ont eu de toi. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Take courage. Qu'ils soient courageux. Serve the Lord. Servez le Seigneur. And he will be with you. Et il sera avec vous. Every day. Tous les jours, as he promised, comme il l'a promis, I will be with you. Je serai avec vous. I will be with you. Je serai avec vous. Take it personal. Prenez cela personnellement. I will be with you. Je serai avec vous. Wherever you might be. Partout où vous serez, may the blessings of Almighty God. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant rest upon all the servants of Christ. Soient sur tous les serviteurs de Christ. Upon all the congregation. Sur toute la congrégation. We claim the victory of God. Nous réclamons la victoire de Dieu. In Jesus' name. Dans le saint nom de Jésus. For the whole body of Christ. Pour tout le corps de Christ. For the bride of Jesus Christ. Pour l'épouse de Jésus Christ. We thank you for this day. Nous te remercions pour ce jour. You made this day. Tu as fait ce jour. And we can rejoice and be glad in it. Nous pouvons nous réjouir et être dans l'allégresse. Lord God, I thank you once again. Seigneur Dieu, je te remercie encore. As this might be my last time. Que peut-être ceci est ma dernière fois. I don't know. Je ne sais pas. You know. Toi, tu sais. I love to return. J'aime bien retourner. But I would prefer. Mais j'aurais préféré. If you would return. Que toi, tu reviennes. Before I could return. Que moi, avant que je retienne, revienne. Que les bénédictions de Dieu, que toutes les épouses soient préparées, afin que nous soyons tous prêts pour le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons juste une annonce. Deux annonces, je crois. Venant des frères qui sont dans le service d'ordre. Au niveau du stade de Tata Raphaël. Et il nous annonce ceci. Il est demandé au ministre, au prédicateur, d'être retrouvé au stade de Tata Raphaël. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons chanter pour sortir. Ne sortons pas encore. Le frère Fan va d'abord sortir.